Salut tout le monde, c'est Azastraz. Je vais passer au chapitre 2 d'Uncharted Drake's Fortune. Je vais d'abord donner la réponse à l'énigme que j'ai donnée dans Batman Arkham City, la première partie que j'ai faite. L'énigme c'était « Il y a 140 jours, nous étions jeudi. Jeudi, quel jour serons-nous dans 64 jours ?» Et la réponse c'est « Vendredi. » Parce que 140 est un multiple de 7. Nous sommes donc jeudi aujourd'hui, dans 63 jours nous serons jeudi, et donc dans 64 jours nous serons vendredi. Voilà, donc je marquerai ça dans la description bien sûr, que vous puissiez peut-être comprendre un peu mieux, car au micro je sais pas trop si vous pigez bien. Donc l'énigme du chapitre 2 d'Uncharted ce sera plus je suis chaud, plus je suis frais, qui suis-je? Voilà voilà. Donc c'est parti, on va attaquer, on appuie sur start, et on continue, voilà. Donc là je viens juste de terminer la partie 1 de Batman, là il y a le PC qui est en train de surchauffer pour caler le son sur la vidéo, et j'ai pas envie de dormir, et du coup maintenant il est 3h15 du matin. Alors chapitre 2, à la recherche d'Eldorado. Oh, attends petit, je suis plus tout jeune, tu sais. Ah. Mais t'étais assez jeune pour cette serveuse à Lima, pas vrai? C'était différent. Mais ma foi, tout aussi épuisant. Donc. Allez, tiens bon, mon vieux. Je disais que j'avais pas envie de dormir. On est presque arrivé. Tu sais? Du coup. J'ai déjà raconté la fois où j'ai vendu une fausse statuette du 16e siècle à Pablo Escobar. Je sais pas s'il peut nous faire le Gangnam Style. Mais le temps qu'il réalise était... Ah ah. Ouais, donc... Oui, je t'écoute, oui. Je bois tes paroles. Donc, j'ai pas envie de dormir et du coup, je fais mon deuxième chapitre ce soir. Je me suis connecté très tard, sinon j'aurais peut-être pu faire un petit coop avec Monsieur Chixou. Alors, qui me donne pas mal de conseils et pas mal d'astuces d'ailleurs, je le remercie. C'est vraiment sympa. En plus, il a regardé mes deux autres let's play sur Uncharted, et c'était mes débuts. Et il y a pas mal d'endroits où j'ai bien galéré, il y a même des endroits qui étaient ultra longs, enfin, je me demande pourquoi j'ai des gemmes sur certaines vidéos. Même au départ, j'avais du mal avec la manette, bon bah là, j'ai peut-être encore un peu de mal, mais ça devrait le faire. Et aucune critique, donc vraiment, c'est... J'ai peu d'abonnés, mais c'est des bons abonnés, c'est cool. Même si j'ai des vidéos, des fois, elles restent à 15 vues pendant 3 semaines. À vrai dire, je m'en fous, quoi. Tant que je fais plaisir à quelqu'un, une, deux, trois, 10 personnes, peu importe. Donc je me balade, là, c'est parce que je me dis que peut-être qu'il y a des trésors. Je vois qu'il y a Sully en bas. Par contre, ce qui me fait plaisir, là, c'est que Sully est là, tandis que dans Uncharted 2, on l'a presque pas vu. J'espère que là on va le voir longuement, parce que c'est vraiment un personnage que j'apprécie. Et j'ai demandé à un ami, là, apparemment il n'y a pas Chloé dans Uncharted 1, et ça par contre ça m'embête, parce que c'est vraiment mon personnage favori de la série. Il suffit de regarder le background que j'ai fait faire pour ma chaîne, le petit fond d'écran quand vous allez sur ma chaîne, là. Donc voilà, je sais pas du tout, je connais pas du tout la carte. Tu crois vraiment que Francis Drake est venu jusque-là? On est à des années-lumière de l'Angleterre. Des années-lumière de l'Angleterre. En même temps, Francis Drake, il a vécu il y a des années. Des années-lumière. Il aura peut-être eu le temps depuis. Ok, ça marche tout seul. Petite cinématique. Et il a autour de lui. Alors? Je comprends pas. D'après ça, on est pile au bon endroit. Peut-être que tu sais pas lire ce truc. Fais voir ça. Non, c'est bien ici. Ça y a rien ici, attends. C'est encore une impasse. Des calmes, Sully. Relax. J'attends un coup d'œil. Jetons un coup d'œil. Tac, tac. Ouais, je vois que Nathan, il a l'anneau, là. Je peux pas zoomer. Ah si, un peu, voilà. L'anneau qu'il a autour du cou, là, c'est celui qui fait toute l'histoire d'Uncharted 3. Alors,
jetons un coup d'œil. On va quand même faire le tour. J'ai vu que je pouvais monter par là-bas, là, apparemment. Là. Enfin, là-haut, là. C'est où que j'ai vu? Si, c'est dans le fond. Ah, c'est pas vrai. Autant chercher une pucelle dans une maison close. Oh, la classe. J'adore les réflexions à Sully. Autant chercher une pucelle dans une maison close. Je sais plus ce qu'il avait dit aussi dans Uncharted 2 à un moment. Il avait dit... Voilà, ça, c'est mieux. Il avait dit une réflexion, mais c'est pareil, on était un peu dans le même esprit, un peu dans une jungle, un peu dans Qu'est-ce une forêt. Qu'est-ce que c'est? Un cadre? Non, c'est plus vieux que ça. Je dirais 2000 ans de plus. Je sais plus du tout ce qu'il avait dit. Si jamais quelqu'un se souvient, parce que je crois que j'avais fait la remarque en plus. Ou c'était dans Uncharted 3, peut-être bien. Donc je me balade, je sais si j'ai une arme. Ouais, je pense qu'il va y avoir un peu de fight dans ce chapitre. On est parti pour charger les murs. C'est moi ou... Ah non, oui, je me disais, je croyais qu'il y avait un renfoncement, mais... Et qu'en fait, non, mais si. La console, là, je l'entends, elle chauffe. Je voulais savoir si quelqu'un allait acheter la Wii U. Parce que elle me branche vraiment, je crois que je la prendrai seulement s'ils annoncent un Zelda dessus. Et c'est vraiment tout, parce que... Sinon, le principe d'un pad, etc., c'est pas quelque chose qui me branche énormément. Je sais pas pourquoi je peux monter. Peut-être pour sauter de l'autre côté. Ouais. Voilà. Je vais peut-être faire un petit tour. T'as trouvé quelque chose ? Rien pour l'instant. Ah, je peux pas traverser, je pense. Bon, graphiquement, il est plus vieux, c'est sûr. Je sais pas quelle année il est sorti. Il est beaucoup plus vieux que... Sois prudent, là-haut. Beaucoup plus vieux que... Hey, ah. Il a l'air bizarre, le sol, en bas. Qu'est-ce qu'il a de bizarre? Oui, j'appuie sur L2. Ouh, il va tomber. C'est creux. On doit trouver un moyen de casser ça. Le caillou en face, là? Est-ce que quelqu'un... Oh, ça doit être le caillou, quand même. Ouais, je pense. Je pense pas que si je saute en face... Non, je pense pas. C'est trop loin, là. Je peux pas sauter en face. Je pense qu'il faut que je fasse le tour. Essayer de faire... Oula. 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 Ah, peut-être que maintenant, je peux grimper là-dessus. Pour m'agripper. Voilà. Appuyez sur rond au-dessus d'un rebord pour descendre et s'y accrocher. D'accord. Je connaissais. Tac. Ok. Allez. Mince. Allez hop. C'est parti. Je pense que je peux pousser ça. Ah ouais. Bon, je vais vite fait faire le tour là. Parce que je crois pas que j'ai trouvé de trésor encore. J'ai pas souvenir. Je sais même pas s'il y en a. Ah si, il y en a, j'en ai trouvé. Ah, il y en a que 60 dans celui-là, d'accord. Je crois qu'il y en avait 100 dans les autres. Tac. Bam. Montre en réalité. Voilà, on va descendre doucement. On va éviter de se faire mal, c'est... Ok. Allez, Sully, viens, copain. Les lampes torches. Les lampes torches, comment on fait? Oh, ah, oh, oh. Elles se mettent toutes seules. Parfait. Elles sont toujours... Ouais, elles sont toujours situées... enfin bon. J'imagine bien Lara avec ça. À cet endroit. C'est charmant et accueillant ici, hein? C'est pas vraiment ce que t'avais imaginé, hein? Ouais. Mais il est où, ce trésor? Ah, cet endroit a été pillé il y a des siècles. Ouais, par notre bon vieux pirate. Non, c'était pas Drake.
Regarde ça. On dirait que les Espagnols sont arrivés avant lui. Oh. C'est quoi ton problème ? Nathan, je cherche pas un vulgaire bout de ferraille. Je suis endetté jusqu'au cou. Je comptais vraiment là-dessus. T'es encore trop flambé à l'image, Paris. C'est vrai. Et puis, faut dire que sur ce coup-là, j'ai mal joué. Tu sais, je t'ai toujours dit de faire attention aux mauvais garçons. Et aux filles aussi. Ouais ? C'est toi qui dis ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Cette journaliste. J'ai bien vu comment tu la regardais. Elena ? Arrête. J'ai plus aucune chance avec elle depuis qu'on l'a abandonnée sur les docks. Tous les coups sont permis en amour, gamin. Ah, et si jamais elle pensait pas comme toi ? Eh ben dans ce cas, petit, t'es dans un sacré pétrin. Ok. Ces Espagnols ont laissé un sacré bordel derrière eux. Alors, est-ce que je peux toucher à quelque chose ou trouver quelque chose hein, je ouais. Sans blague. C'est clair que ça doit faire une sacrée chute, mais je pense que j'ai pas trop le choix. On doit trouver un moyen de traverser. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je vise ? Ah, peut-être ça, là. Ah, ça va marcher. Tac, tac, tac. Je sais même pas où on va. Apparemment, celui-là voulait trouver le trésor directement. Il voulait pas perdre de temps. Oula. Pourquoi ça marche pas, là ? Ah, c'est trop lourd. Viens m'aider, celui-là. Pourquoi tu veux pas m'aider, là ? Ou alors, il y en a peut-être un autre ? Non. Peut-être que je saute dessus. Oh là, ça, je sais pas pourquoi je cale. Il y a quelque chose que j'ai loupé, je pense. Ah, peut-être que faut que j'appuie plein de fois sur. Ah oui, bah oui, je suis bête. Ok, laisse-moi faire ça. Ok, je te laisse faire. Je sens que je vais passer tout seul. Allez, viens, copain. Je vais la maintenir ouverte. Va voir si tu peux la coincer de l'autre côté. La coincer, est-ce que je peux la coincer? Est-ce que je peux la... Ah, il y a une caisse là. Hein. Ouais. Dépêche-toi, Nate. Allez, on y va. Ça devrait tenir. De Dieu, oui, bah, elles sont costauds, hein, les petites planches en bois là. Oula. C'est vraiment pas passé loin. Oui. Pauvre Sully. Espérons que cet endroit a une porte de derrière. L2, mince, R3. Tiens, ça me dit quelque chose. Je crois que Drake en parle dans son journal. Ouais, faut que je fasse select. Alors. Ouais, ici. On dirait une sorte de lampe ou de brasero. Regarde si tu peux l'allumer. Alors, on critique mon cigare, mais finalement, on est bien content de le trouver, hein. Ah, quel enculé. Quel enculé, c'est... J'aime bien les anciens comme ça. Ils sont toujours à se plaindre. Donc, on va avancer. Tac, tac. Non, je pense que... Il faut qu'on trouve un moyen de passer ces décombres. Bah oui, on va le trouver, le moyen. Est-ce qu'il faudrait pas que je casse... que je tire dans un truc, là. Histoire de... Non, je pense qu'il va falloir que je grimpe là-dessus. Ce bois est plutôt sec. Je parie qu'on pourrait le brûler. Quel bois ? Celui-là, là. Ouais, bah, c'est peut-être ça, hein. J'ai peut-être raison. Je pense qu'il faut peut-être que je ramène le feu. Ok, par contre... Peut-être pas dépenser... Essaye de tirer sur une de ces lampes. Bah, c'est ce que je fais. Ok.
quoi. Juste une petite flamme, ça suffit. D'accord, ça part vite, hein. Allez, Zou. On avance, on avance. Alors, et maintenant? Est-ce que je peux m'agripper en face? Je sais pas. Je vais commencer par... Oh non, bah là là, oh, n'importe quoi, je voulais juste m'agripper au bord. Du coup, je suis tombé. Donc on est rendu où, là? Ah bah, un pec. Ok, bah, voilà le bel indice, quand même. À peine arrivé, on me montre ce qu'il faut exactement ce que je fasse. Avec 30 ans de moins, j'aurais peut-être réussi à faire ça. Oh, non, d'accord. D'accord, je t'ai monté un peu trop haut. On va voir ça. Hop. Hop. Ouais, c'est pas drôle, hein. Hop. 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 Hop, je sais pas où je vais. Ah, je vais descendre là-dessus, je pense. Le genre de haricot, là. Ah non! Ah bah non, même le haricot, je peux pas, là. Un peu trop. Je vais regarder s'il y a... si ça peut pas m'emmener sur une plateforme. Parce que là, je suis là. Là, je peux pas. Après, c'est le genre de haricot, là. De toute façon, de toute manière, j'ai pas trop le choix, je crois, hein. Peut-être que je peux grimper, finalement, quelque part. Bon, on va retenter, hein. Sur le chemin, j'ai à peu près compris. Hop. Hop, là, faut que je descende. Hop. Je monte. Je monte. Tac. Tac. En bas, en bas. Ah, je... toujours au même, là. Il est un peu rapide, celui-là. Là. En même temps, c'est de la flotte en bas. Je devrais pas mourir, normalement. Dans tous les jeux d'aventure, on meurt pas quand on tombe dans l'eau. Hop. Ok, je vais grimper. Alors, c'est celui-là qui m'embête. Wow, ok. 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 Ok, parfait. Allez, descends. Ouf. Qu'est-ce que je peux faire? Non, je peux rien faire avec ça. Ok, je vais y aller après là, je vais faire le tour avant. Parce que dès qu'il y a des inscriptions... Ouh, tiens, je vais essayer de péter ça. Je pense qu'il y a une échelle derrière tous ces décombres. Pourquoi il me montrait le 2 là? Faut que je monte, faut que... Non, je sais pas. Ah, fallait que j'attende le soulier en fait, fallait que je regarde celui descendre. Et attends-moi, papy! Wow! Continuons! J'arrive! Ah, ça fait deux portes à repasser, hein! Y'a intérêt qu'on trouve une sortie, hein! Ah oui! Je veux pas mourir ici, hein! Tac. Alors... Allez, avance, bonhomme. Et maintenant, on va descendre. Je sais pas du tout ce que c'est comme pièce. Youhou! Attends, je reconnais ces symboles. Quel symbole? Tout cela là? Il faut respecter l'ordre de ces symboles. Oh, une énigme dès le chapitre 2. C'est de quel symbole qui parle là? Sur le mur? Je vois pas. Est-ce que c'est... De quel symbole il parle? Au plafond? Ok.
Ouais, c'est ça là. Les trucs roses là-haut là. Ça doit être ça en fait. Et là, il y en a un autre là, c'est pas le même. Donc il faut respecter. Et alors lui, ce serait le premier là, à droite là, logiquement. Ouais, il y a un petit 1 à côté. Après, ça c'est quoi là? Mince. Zut. Oups. Alors. Ça ressemble à un genre de crête avec des cornes. C'est celui-là, le 3. Donc en fait, je pense qu'il faut que je monte là-haut, que j'active celui-là. Après que je trouve le deuxième. Ok. Hey, je pars quelque chose. Ok, donc là, je vais essayer de grimper. Oula. Ok, je peux pas interagir avec. Est-ce que lui, il peut me permettre de grimper? Non. Ah, si, un peu. Ah, je peux pas sauter en hauteur, je peux pas monter plus haut. Descends. Du coup... Ah oui, d'accord, ouais. Ah, je croyais que c'est... je croyais que c'était un peu comme... dans Uncharted 3, je crois que c'est le chapitre 6. Du coup, faut que je trouve... Ok, faut vraiment que je grimpe là, si j'ai bien... Parce que là, regardez là. Non, je crois bien que c'est là-haut là. Ouais. Ouais, donc je pense qu'il faut que j'utilise ça pour grimper. Ok. Ok, mais c'est pas trop ça que... Là, il veut pas que je grimpe. Ok, je vais peut-être faire le tour. On va voir s'il veut bien que j'essaye de m'agripper plus haut. Non, il fait un peu de danse tout seul comme un grand. Non, tu veux pas grimper. Ok. Donc, est-ce que je peux grimper par ici? Voilà. Oh là, c'est un bug ça, dis donc. Comme ça. Et donc, le numéro 2, il faut que ce soit celui avec un couteau. À quoi il ressemble, lui? Bah si, celui-là, parfait. Comme ça. Ok. Je me suis dit, il y a eu une cinématique tout à l'heure, mais pas là. Je me suis inquiété un peu. Et donc là, il me faut le numéro 3, 3, 3. Le 3, il est là-bas. Normalement, c'est celui-là qui est là. Ouais, c'est ça. Est-ce que je peux sauter d'ici? Ou je préfère pas essayer. On va y aller doucement. Doucement. Si, je pense que je pouvais sauter. Ah, ça doit être ça. Hop, faut que je monte là. Et après que... je demande à aller de l'autre côté. Comme ça. Parfait. Non, faut que je fasse l'autre. Donc, on va grimper là parce que je sais que je peux. Tandis que j'avais un peu de mal. Hop. Ok, ça marche. Impec. Donc il y a un escalier. Bon, on va essayer de... On dirait qu'il y a une échelle sur le côté. Attends ici, je vais voir. On va essayer de retomber dans le trou en descendant parce que me connaissant. Une échelle sur le côté là-bas. Le tour des poteaux avant de trop longer le bord, mais même si je crois normalement, je sens que. Ok, non, parfait. Oh, je croyais que j'allais y aller avoir une petite cinématique. Attention, tu mets les pieds là-dessous. Ok, alors les têtes de mort là, j'aime pas trop. Hein.
Est-ce que je dis à celui de revenir, non? Fais attention où je mets les pieds, il a dit. Je pense que ça veut dire quelque chose, surtout quand t'as ça en face de toi, là. Je vais longer les murs. Tac. Est-ce que je peux descendre? Est-ce que je peux monter? Est-ce que je peux pousser? Ouais. Ok. Ok. Et donc après? Ah, me dis pas que tu vas nager là-dedans. J'en ai vu d'autres. Je plonge ou je plonge pas? Allez, go. Allez, saute, 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 saute. Non, saute, je veux... saute dans l'eau, là. C'est quoi ce cri? Alors, on va plonger sous l'eau, voir... Enfin, je peux pas plonger sous l'eau. Non, sans deck. Plonge. Non, tu veux pas? Tu veux pas? Tu veux pas? Bon, bon, bah, c'est pas grave, on va sortir. Voyons voir. Je suis tout trempé. Ah oui, bah c'est normal, tu sors de la flotte. Ok, bon bah impec, je crois que j'ai pris le bon chemin direct. Hop. Tac. Alors. Hop. Oh là. Ouh. Oh, le coup de peau, j'ai l'impression quand même là. J'y suis. Je suis de l'autre côté. Ouf. Est-ce que tu peux l'ouvrir? Ouais, je avec les bidons qui sont là, ouais, je pense. Ouais, je vais m'éloigner quand même. Tac. Bam. Sully. Ouais. Ouais, copain. Allez, zou. Merci. On avance, on avance. Là, il y a une chaîne. Une chaîne. Ah, je crois qu'il va falloir le faire à deux. Je prends celui-là. Oh là 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 là. Bon, ça a l'air de tenir. Ça a l'air seulement, je suis sûr que ça va se casser les gueules. Sors de là maintenant. Est-ce qu'il fallait que je cours? Est-ce qu'il fallait que... Parce que j'ai essayé de m'accrocher sur un... sur les machins. Bon, on va retenter, hein, de toute façon. Allez, go. Ok, il fallait que je cours. Oula. Attends. Non, 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 non. Oh. Oh, oh, sans deck. Bon, ok, faut que je cours en tout cas, c'est sûr. Allez, c'est parti. J'aime bien ces petits épisodes comme ça, les petits défis. Allez. Allez, Wawan. Ouais, Wawan, c'est mon surnom. Saute la... Allez, à droite. Hop. Derrière. Tout droit, tout droit. Stop. Yeah. Oh bah, ça va, je lui donne le chemin tranquille, quoi. J'ai réussi. Aide-moi ça. Tout va bien. Hop là, bam. Ah, je voulais le pousser. Sadique. Allez hop. Après ça, on a plutôt intérêt. On tient le bon bout. Pourquoi je peux pas courir? J'aime pas ça. Je peux pas viser. Je peux rien faire. Je peux juste avancer. Je peux pas modifier la caméra. Ok. Ouh, c'est des armes au sol là? Non? Oh wow. Le temple a dû être construit autour. Autour de quoi? D'une statue. Une statue en or. Une énorme statue en or. Et regarde ici, ces gens, ils vouent un culte à ce truc. Enfin, si c'est bien eux. Bien sûr.
Eldorado, l'homme doré. Sully, c'était pas une cité d'or, c'était ça, une idole en or. Mince, t'imagines ce que ça peut valoir à l'heure actuelle? Regarde ici, des traces. Les Espagnols ont dû la transporter sur des rondins. On a 400 ans de retard sur ce coup. Donc la piste est froide? Ouais, on dirait bien. C'est pas vrai. À moins que... À moins que quoi? Qu'on suive les traces? Est-ce qu'on change de chapitre? Non. J'aurais cru. On va suivre les traces comme il a demandé. Ah, je vais quand même refaire... Oh là! Ah non, je peux grimper. Je vais quand même faire un petit tour dans le bâtiment, là. Voir s'il y a rien qui brille, parce que j'ai vraiment... Trop... Ah. Ah, bah oui. Ok, parfait. Ça, c'est fait. Bon. C'est le premier trésor que je trouve. C'est pas plus mal. Enfin, c'est pas plus mal. C'est juste une récompense personnelle. Parce que bon, désormais, il y a tellement de walkthrough ou de let's play. Hein. Enfin, de let's play, non. Parce que. Ou alors, faut vraiment passer du temps à chercher tous les trésors. Et c'est pas terrible. Mais les walkthrough sur Uncharted, il doit y en avoir un paquet avec tous les trésors. Allez. Ça s'arrête là. Ça s'arrête. J'ai l'impression que le mur à l'arrière du temple a été détruit. Ouais, les Espagnols ont dû s'aménager un raccourci pour sortir le trésor. Il est où celui? Super. Et maintenant? Et maintenant on avance. Ouf, ouais, d'accord. Et je cours dans tous les sens. Je me dis ça doit être tout droit. Je vais tout à gauche et finalement il y a un grand chemin. Je parcours même pas, je cherche pas. Peut-être que... Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de trésors de planqués dans les fourrés là, ou les fougères. On va tracer là où j'ai filé. Hein. Je sais pas si je peux grimper. Non. Non plus. C'est pas grave. Tout droit. C'est parti. Aidez-moi un peu. Ce beau soleil là-bas qui se couche ou qui se lève. Je pense qu'il se couche plutôt. Attends, celui-là, t'as entendu? Voilà un truc qu'on voit pas tous les jours. Oh mon dieu! Yeah. Un sous-marin? Un bateau? C'est pas un sous-marin ça. C'est un sous-marin. Qu'est-ce que ça fout là un sous-marin? Enfin, faut que j'aille voir. Ouais, faut que j'aille voir. Pour moi, c'est un sous-marin ça. J'aurais été déçu de pas pouvoir aller voir. Ok. Waouh, c'est pas croyable. Je pense qu'il a dû rester coincé pendant la crue de la rivière. C'est un bateau. On va jeter un coup d'œil? Non, attends. Tout ça me paraît un peu bizarre. Bizarre? On dirait que t'as jamais vu un sous-marin allemand en pleine jungle avant. Ah, non, je suis sérieux, Nathan. Tu sais quoi, t'as qu'à rester ici. Moi, je vais aller voir, et je t'appelle si je tombe sur des... nazis. Ouais, on fait comme ça. Oh, attends. Tu veux garder ça pour moi? Ok. Je vais employer la manière forte. Ok, donc la fin du chapitre 2. Du coup, je vais vous rappeler l'énigme de ce chapitre 2. Donc, c'est plus je suis chaud, plus je suis frais. Qui suis-je? Donc voilà. Et du coup, bon, je vous ferai le chapitre 3 ce week-end, certainement. De toute façon, là, on est vendredi matin. Il est 4h du matin, là. Je pense que je vais vous mettre le Batman, l'épisode du Batman aujourd'hui. Et je posterai ce chapitre-là d'Uncharted de samedi, je pense. Voilà, voilà. Bon, bah, je vous remercie de me suivre et je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Enfin, tout dépend de où vous habitez et à l'heure que vous regardez ma vidéo. Salut, salut!